fondée en 1951 par le pape Pie XII, le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s'étend le long du fleuve Saint-Laurent sur près de 160 km de Berthier-sur-Mer à Rivière-du-Loup, en passant par Kamouraska et Montmagny. Ordonné le 10 mars 2019 en la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en présence de nombreux frères évêques venus spécialement pour l'occasion, Monseigneur Pierre Goudreau a à cœur la mission de proclamer partout l'Évangile du Christ. Sixième évêque du lieu, il est originaire de l'Abitibi et ne cesse de s'émerveiller de ce qui est devenu pour lui, au cours de la dernière année, une véritable terre d'accueil. Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous partons donc à la rencontre des différents visages qui forment le peuple de Dieu dans cette région du Québec. Je suis originaire de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda, du diocèse de Rouyn-Noranda. J'ai été accueilli comme nouvel évêque lors de la célébration d'ordination épiscopale qui a eu lieu le 10 mars 2018, ici même à la Pocatière, à la cathédrale Sainte-Anne. Alors, c'était un bel événement de joie où il y a eu des gens des quatre coins du diocèse qui ont participé, des confrères évêques. Et j'étais très choyé puisque j'ai été accompagné avec beaucoup d'amitié, de tendresse aussi par des gens de mon diocèse d'origine. Alors, il y a eu plus de 100 personnes qui sont venues, donc deux autobus et des gens en voiture pour venir me reconduire dans cette étape de départ d'une nouvelle mission. C'est un diocèse à taille humaine. C'est un diocèse, je dirais, de communauté rurale où il y a cette belle proximité, il y a un accueil chaleureux des gens, il y a une spontanéité. Alors, c'est très agréable de faire église dans ce milieu-ci. Alors, le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a été fondé en 1951. C'est bon de savoir que c'est un détachement de l'archidiocèse de Québec. Alors, le diocèse bien, est réparti sur un territoire rectangulaire qui commence à l'ouest avec la première paroisse à Berthier-sur-Mer. Alors, il y a plusieurs communautés qui ont l'histoire là, sur le bord du fleuve. On remonte à l'époque des seigneuries. Et bien sûr, plus au sud, alors dans les hauts, dans les collines, les Appalaches, eh bien, il y a aussi des communautés. Et donc, le diocèse s'étend jusqu'à la frontière américaine, la frontière du Maine avec les États-Unis. Sur le territoire du diocèse, c'est environ 92 000 habitants qui s'y retrouvent. Le milieu le plus important dans le diocèse, c'est Rivière-du-Loup, alors qui a environ 22 000 de population, qui est très dynamique, qui se développe bien aussi actuellement à Rivière-du-Loup par différentes industries. L'autre pôle important, c'est complètement dans l'ouest, alors c'est Montmagny. Montmagny qui s'apprête à célébrer aussi, je crois, 350 ans d'existence. Et enfin, la Pocatière, qui est plus au centre, marquée bien sûr par son institution du Collège Sainte-Anne, au niveau du cégep qui est présent ici même. À la Pocatière même, on a un monastère, les Sœurs de la Visitation Sainte-Marie, donc des religieuses qui sont vouées aussi à la mission de prière, de louange, et elles aussi apportent à la mission par leur contribution de prière, nous soutiennent dans les activités du diocèse, les différents engagements. Fondée en 1610, les deux personnes, Saint-Jean de Chantal et Saint-François de Sales, se sont rencontrées pour la visitation à Annecy, la maison de source. Alors, nous avons été fondés un peu partout, nous sommes un peu répartis un peu partout dans le monde actuellement. Au Canada, nous sommes les seuls de la Pocatière. Alors, ça veut dire que nous autres, on avait trois monastères au Canada. Il y en a deux fermés. Alors, nous autres, on se trouvait être les seuls actuellement pour survivre, comme on dit. Mais on est rattaché à des Sœurs de France, de France Sud. Alors, de Saint-François de Sales, il disait qu'on n'est pas des filles de grandes à 16, comme dans les autres monastères, plus populaires pour ça. Là. La foi, l'espérance, la charité, l'humilité, la douceur, la patience,
la cordialité. Ce sont toutes les petites vertus qu'on doit pratiquer à la visitation. Bien, c'est plutôt de la vie de prière, c'est l'accueil, la prière. Parce que nous autres, on a le silence, beaucoup, ça nous amène à la prière intérieure. Puis on a beaucoup de rencontres pour, au niveau de la prière liturgique. On a 5 offices par jour. Alors, c'est surtout la prière. Aussi l'écoute. Nous avons une sœur qui est au téléphone, elle écoute beaucoup de personnes qui ont besoin de prière. Puis, il y a des gens qui viennent au parloir aussi nous recommander des intentions. Puis, alors, nous autres, on accueille, mais on porte dans la prière les besoins des personnes. J'ai ressenti mon appel, j'étais un peu jeune, et ça a pris tout ce temps-là de 17 ans à 52 ans pour vraiment répondre à l'appel du Seigneur. J'ai rentré en 2013, fait à peu près 6 ans et demi je suis ici. Tout ce que je désirais, c'est ce que je voyais dans la communauté. Je vois nos sœurs dans l'humilité, dans le silence, dans la douceur. C'est ça que mon cœur cherchait. C'est la joie d'être en communauté ici à la Visitation. Quand j'ai décidé de rentrer, puis j'ai demandé à mon fils de venir me rejoindre. Quand il est venu, j'ai même pas eu besoin d'y dire, je rentre au monastère, ça s'est fait automatiquement. Il dit, tu rentres au monastère. J'ai dit oui. Il dit, oh, il dit, ça ne me surprend pas du tout. Il était vraiment là, joyeux pour moi. Il dit, si tu es joyeuse dans cette vie-là, il dit, moi aussi, je suis heureux. C'est toute beauté de voir son cheminement à lui. Oui, je suis sûre que le Seigneur l'a touché dans cet événement-là. C'est qu'il n'est jamais trop tard. Pour le Seigneur, il n'y a pas de temps. C'est quand la personne est prête, il appelle. Peu importe l'âge, moi, je suis une preuve de ça. Ça fait qu'il ne faut pas perdre espoir. Il y a toujours l'espérance dans notre vie. Nous autres, on continue le cheminement dans l'espérance, la confiance, l'abandon. Bon, c'est pas nous qui décidons de la vocation d'une personne ou pas, là. C'est vraiment l'inspiration de Dieu à travers les événements, les situations qui se présentent. Alors, au niveau de la pratique religieuse, si on pense plutôt, si on a à l'esprit la pratique liturgique dominicale, c'est sûr que c'est peu élevé, c'est comme un peu partout dans d'autres diocèses du Québec actuellement, c'est peut-être environ 3-4%, hein, c'est peu élevé, mais c'est des communautés petites, mais qui sont quand même fidèles. Il y a un dynamisme aussi, il y a une ouverture, un accueil. Alors, dans ce sens-là, on s'inscrit aussi, on voit bien dans l'urgence missionnaire. Ma vision pastorale s'enracine beaucoup dans ma devise, qui est « proclamer partout l'Évangile ». Alors, dans ce sens-là, ma première année a été marquée d'abord beaucoup par un temps d'écoute, de découverte. C'est une église qui était pour moi nouvelle, de par son histoire, de par sa composition, ses défis actuels. Ça s'inscrit bien aussi dans le message, dans le fond, du pape François, de sa lettre de la joie de l'Évangile, que chaque communauté, que chaque baptisé a une responsabilité pour être témoin aujourd'hui dans le monde et donc de ne pas avoir peur de ce monde, mais d'oser sortir. Au niveau des services diocésains, j'ai appris à découvrir vraiment une belle équipe des personnes qui œuvrent ensemble dans un esprit de fraternité, d'accueil, de joie aussi. Et au niveau des services, il y a une particularité au diocèse, c'est nous avons un tandem. Alors, lorsqu'on pense tandem, on pense à vélo à deux places. Alors, ensemble, ils voient un petit peu, à la coordination d'ensemble. La conversion missionnaire auquel on est convié par l'Évangile, mais de façon particulière par le pape François depuis 2013 avec la joie de l'Évangile, c'est vraiment d'être une église qui rayonne, qui est celle de la terre, lumière du monde, dans son milieu. Donc ce qu'on vit, c'est des communautés qui ont un impact et qui sont en contact avec le réel, avec leur milieu. Alors on favorise une église de proximité.
faut que tout le monde, en fait, se sente responsable. Tous les baptisés sont responsables. C'est plus l'affaire juste des prêtres ou des mandatés, des agents pastoraux et tout ça. C'est vraiment l'affaire de chaque baptisé de faire en sorte que notre Église soit plus missionnaire. Le tandem, c'est d'abord l'idée d'une équipe. Hein? Au point de départ, c'est deux personnes minimum, un tandem. Donc, ça lance déjà le signal que le travail en Église, ça ne se fait pas seul. Et encore là, on peut référer à l'Évangile. Il les envoya deux par deux. Il les envoya en tandem. Le principe des tandems nous vient du diocèse de Chicoutimi. Le leadership de chaque unité est assuré par un tandem composé du prêtre responsable curé et d'une agente de pastorale qui est coordonnatrice. Ça pourrait être un agent de pastorale, mais notre réalité, c'est ça, comme tout juste des femmes. Alors, c'est vraiment de créer une dynamique de travail où est-ce qu'on est ensemble, dans le leadership, dans la prise de décision. Alors, ce qui fait qu'au Conseil de l'évêque, moi, j'ai une voix au même titre que le vicaire général. Et on a des rencontres avec tous les tandems pour permettre aussi une forme de synodalité, de partenariat dans les décisions du diocèse. D'arriver avec l'idée des tandems, ça a créé une onde de choc. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, de surprise. D'aucuns ont vu ça comme quelque chose de beau, de créatif. D'autres, un peu comme une menace. Mais je dirais que présentement, je pense que l'ensemble des confrères prêtres accueillent bien l'idée, c'est une équipe. Le visage qui ressort, c'est que c'est une équipe qui travaille actuellement au niveau de la pastorale diocésaine. C'est comme un travail de discernement qu'on fait ensemble. Au niveau des unités, avec les tandems, ils sont constamment en train de discerner ensemble les meilleures décisions à prendre pour la conduite de l'unité et de l'équipe dont ils ont la charge. On voit une éclosion dans certaines communautés chrétiennes de jeunes baptisés, de jeunes adultes qui décident de mettre la main à la pâte puis de faire lever la pâte, d'y apporter leur ferment. Il y a déjà des fruits qu'on voit comme ça. Et en tout cas, moi, je les attribue pas forcément au travail du tandem, mais au travail de la conversion missionnaire qu'on a entrepris ensemble. De pastorale. Je suis responsable aussi des agents de pastorale. On en a une vingtaine, un homme et 19 femmes dans le diocèse. Et on fait vraiment un travail de conversion, nous aussi, pour que notre ministère soit davantage un ministère d'accompagnement et de formation. Mais là, c'est vraiment de responsabiliser les baptisés, de les accompagner, de les former. Moi, c'est ça mon espoir, c'est qu'on arrive vraiment à cette posture-là d'accompagnement et de formation comme agent et agent de pastorale, parce que l'avenir passe par les baptisés dans les communautés. Alors moi, c'est sur là-dessus que je mise. J'ai espoir que cette conversion qu'on a entreprise et ces petites pousses nouvelles qu'on voit surgir ici et là, bien, j'ai espoir qu'on va arriver un jour à ce que notre vision se réalise. Qu'on ait une Église qui va être formée d'un ensemble de baptisés, heureux de croire, parce que c'est pas évident. On a des baptisés qui disent « Oh, moi, oui, je suis croyant. » Mais on veut des baptisés heureux de croire, au point de vouloir célébrer leur foi et de la partager. Là aussi, au niveau des communications, si on pense à l'annonce de l'Évangile, ben c'est important d'être présent à tout ce qui émerge actuellement dans les nouveaux médias. Alors, que ce soit via l'Internet, le site Web qui, au cours des derniers mois, a tout été renouvelé, remis à jour, retapé pour qu'il soit vraiment plus attrayant. Le diocèse bénéficie d'une page Facebook. Il faut dire qu'au niveau des communications, on a un très beau lien aussi avec les médias locaux, que ce soit radio, presse, télévision, une belle collaboration qui fait que lorsque l'évêque donne un point de presse, il y a une belle réponse et on est assuré aussi que l'information va être communiquée dans les milieux. Au niveau de la pastorale mission jeunesse des 12-17 ans,
Et depuis que je suis arrivé, je suis témoin d'une belle évolution, d'un beau progrès de cette pastorale pour relever le défi de faire un pont avec les jeunes qui terminent un parcours de préparation à la confirmation, qui sont confirmés. Alors, il y a différentes activités là, qui se développent actuellement. Il y a des ciné-qualités jeunesse également, entre autres dans une paroisse, qui permettent à des jeunes, oui, de visionner un film, mais après ça, d'échanger ensemble autour du message pour essayer de découvrir bien, quelles sont les valeurs humaines, mais les valeurs, quel lien qu'on peut faire aussi avec les valeurs chrétiennes proposées par Jésus-Christ et comment cela peut nous aider à continuer à aller de l'avant. Nous, on est une toute petite communauté, on est 680 personnes ici. L'aventure a commencé il y a un an, d'où ce qu'on a parti un beau projet. On appelait ça pour la communauté « Branchons la jeunesse à Dieu ». Fait qu'on a acheté deux écrans intelligents. Fait que du coup, le but de tout ça, c'était de créer une interaction avec la communauté, de les utiliser, ces écrans-là, pour l'enseignement religieux, mais aussi pour vivre des activités comme on fait ce soir. Fait que ce soir, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle un ciné-disciple. Fait que c'est une soirée cinéma d'où ce que les enfants, les familles, la communauté est invitée. Et ce qu'il y a de le fun dans une activité comme ce soir, c'est qu'on rejoint des gens qui ne sont pas nécessairement présents ici le dimanche à l'église. Fait que c'est une façon de partager et d'échanger avec eux. Et les films qu'on présente ont toujours une saveur ou une connotation de ce qu'on a la chance de faire un partage. Tout à l'heure, vous verrez, durant le film, on arrête la présentation, on pose quelques questions. C'est quoi les valeurs qui sont véhiculées dans le film? Y a-t-il quelque chose qui vous rejoint? Ce soir, ce qu'on regarde, c'est Les racines de l'espoir. Fait que c'est l'histoire d'un jeune trisomique et puis d'un ancien joueur de baseball. Et puis, ils vont connecter ensemble. Hein? Entre autres, le joueur de baseball, ce qui l'impressionne, c'est que le jeune trisomique, à ses yeux, il n'a pas été chanceux dans la vie, hein, il n'a pas eu grand-chose pour lui. Puis il y a un bonheur qui l'anime, puis il cherche à comprendre, mais c'est quoi, comment ça que tu fais, comment ça que tu es si heureux? C'est où tu vas puiser tout ce bonheur-là? Fait qu'on va inviter aussi les gens à échanger là-dessus. Bien, moi, je suis surpris à toutes les fois parce que les gens osent briser le silence, osent parler un petit peu de ce qui les anime, puis répondre assez bien aux questions, fait que c'est vraiment intéressant. Jésus-Christ, pour moi, c'est notre Seigneur, hein? c'est notre modèle. À un moment donné, quand on s'investit ou qu'on s'implique à différents niveaux dans l'Église, il y a un temps qu'on fait une rencontre ou qu'on vit une expérience. Puis ça, quelque part, ça change notre façon de voir. Ça change aussi notre façon de s'investir dans la communauté. L'équipe de célébration prière, c'est que, j'aime bien dire, il faut organiser des dates avec le bon Dieu pour faire vivre justement cette expérience-là, cette rencontre-là. Fait que c'est la mission qu'on se donne aussi. Un de nos grands défis, c'est de faire en sorte que les gens deviennent des acteurs et non des spectateurs. Fait que je pense que notre mission, c'est d'emmener les gens à briser le silence, puis à s'investir, mais aussi à partager ce qui les anime. Puis le fait d'avoir des personnes âgées puis des enfants, ben ça reste personne indifférent. Les personnes âgées sont toujours un peu émerveillées d'entendre ce que les plus jeunes disent. Tout comme les enfants qui voient leurs parents se prononcer ou parler, bien écoute, on vit quelque chose, ça crée quelque chose. L'importance de l'Église, c'est justement d'essayer d'unir les jeunes puis les personnes plus âgées, hein, de trouver des activités comme celle-là qui sont rassembleuses et puis justement de briser le silence. Vous savez, dans nos communautés, on est un petit peu gêné, on est un petit peu foi à témoigner de ce qui nous anime comme dans notre foi, mais dans une soirée comme celle-là, bien, les gens brisent le silence puis partagent. Puis en quelque sorte, bien, ils s'affirment comme chrétiens de par les valeurs qu'ils échangent. Fait que ça, je trouve que pour notre communauté, c'est génial. Je dirais aussi que c'est un diocèse qui n'a pas peur de la créativité. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est sûrement peut-être aussi, ça s'inscrit bien dans le courant des artistes de la région,
est marquée beaucoup par la culture. Il y a toute la région du Kamouraska, entre autres, où on trouve plusieurs peintres, des artistes. Et il y a aussi l'été une école de musique à Saint-Alexandre. Il y a aussi à Montmagny, on n'est pas sans penser à les sculpteurs de bois. Alors, il y a beaucoup de créativité. Et je pense qu'on est dans une étape de l'histoire de l'Église où on a besoin d'audace, de créativité, pour trouver ensemble des chemins nouveaux d'annonce de l'Évangile. Ici, on se trouve à Kamouraska. On a un atelier qui s'appelle Art et foi, donc avec des artistes de la région qui viennent vivre cet atelier-là, qui permet de vivre aussi un temps de spiritualité et pour apprendre des techniques aussi. J'ai étudié en art aux Beaux-Arts en France, à Lyon et à Paris. Et aussi à l'UQAM ici, je suis venue, c'est comme ça que je suis arrivée ici. En fait, j'ai fait une maîtrise ici en art à l'UQAM. Et ensuite, j'ai décidé d'aller étudier en théologie, puis pour devenir agent de pastorale. D'abord, ça permet beaucoup l'intériorité quand on travaille les arts. Pour moi, mon expérience spirituelle, elle se situe exactement dans ma pratique artistique. C'est là que le Seigneur est venu me rejoindre. C'est là qu'il s'est fait présent à moi, vraiment. Alors, je ne peux pas mettre ça à part de mon cheminement. C'est vraiment à travers l'art que le Seigneur est venu me rejoindre. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement important qu'on utilise l'art maintenant pour faire cheminer des personnes aussi. C'est sûr qu'il y a toujours eu de l'art ici. Quand on se promène dans les églises ici de la région, il y a des œuvres magnifiques et c'est justement les endroits où il y avait de l'art, hein, où est-ce que les gens pouvaient voir de l'art. Surtout les artistes qui ont fait de l'art chrétien, ils se sont investis personnellement. C'était pas juste des contrats, ils ont vraiment médité sur la parole de Dieu. Un artiste, il donne aussi sa vie à travers ses gouttes de peinture. Mais c'est sa vie qui passe dans son art aussi. C'est sa vie qu'il donne dans son œuvre au Seigneur. Là. Il y a quelque chose du don aussi. Parce qu'un artiste, il ne fait pas juste travailler du 5 à 7. Hein. C'est quelque chose qui nous habite. L'esprit a une part importante dans la création des œuvres d'art. Parce que quand on travaille, on est en silence ou avec un peu de musique, mais on est à l'écoute de ce qui vient. Et pour moi, le Seigneur me parle à travers l'image. Et ce n'est pas juste de l'illustration, parce que pour illustrer un texte biblique, il faut rentrer dans la peau des personnages qu'on illustre. Je rencontre différents groupes. Alors ici, c'est un atelier avec des artistes. L'approche que j'ai eue, c'est de les amener à expérimenter des nouvelles techniques que je connais, mais en faisant le lien avec la parole de Dieu. Ici, j'ai fait un atelier de peinture, de techniques anciennes, de peinture à l'huile. Ça permet de faire justement, de travailler les clairs-obscurs. Et puis, il y a eu aussi un atelier de peinture à l'œuf, qu'on appelle la tempéra aussi. Ça permet des détails très fins. Ça me touche beaucoup de voir leurs témoignages. Moi, ça me confirme que l'art est une façon de prier, une façon de rentrer dans les textes bibliques avec l'inspiration de l'esprit. Et moi, je fais juste, dans le fond, proposer à un lieu, mettre les conditions pour que ces personnes-là rencontrent le Christ d'une autre façon. Oui, le sport a une place importante dans ma vie personnelle, puis je trouve que ça me permet de trouver un équilibre aussi. Comme homme de foi, comme évêque, j'ai besoin de ma vie de prière pour me brancher sur l'essentiel, pour continuer à développer mon amitié avec Dieu.
mais j'ai besoin aussi d'avoir des temps de détente. Et entre autres, le sport me permet aussi de garder la forme. Alors, ça se concrétise. J'aime beaucoup aller au gym le matin. Ça me permet aussi de faire le plein, de peut-être laisser aller la fatigue, le stress. Il y a le vélo aussi l'été que j'aime beaucoup. Le vélo, bien, pour moi, c'est une belle image aussi de l'Église, de notre défi d'avancer, de ne pas avoir peur de se lancer sur des nouveaux chemins. Puis c'est le pape François qui disait lui-même, qui comparait le fait d'être envoyé en Église en sortie. L'Église en sortie, c'est comme un vélo. Si on reste sur place, on va tomber sur le côté, mais si on pédale, on va de l'avant, bien alors c'est énergique. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là. Mais le vélo aussi, ça me permet de rencontrer sur la route d'autres personnes, de participer, entre autres, à une activité ou l'autre de défi vélo et de me faire proche des gens. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, la joie évangélisatrice du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière brille sur le fond de sa mémoire reconnaissante envers sa riche histoire de sainteté au service des habitants du bas du fleuve. Que ce soit par son intense vie contemplative, une vision synodale bien enracinée, sa volonté de faire le pont entre les générations, ou par son souci de mettre la beauté au centre de son action pastorale, l'Église à Sainte-Anne-de-la-Pocatière est un exemple d'un peuple de Dieu en marche sur un chemin de croissance spirituelle en réponse aux dons absolument gratuits de Dieu. Dans le prochain épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivrons notre visite de l'Église catholique envoyée dans le bas du fleuve à la rencontre de cette communauté croyante bien ancrée dans le tournant missionnaire tel que voulu par le pape François.